Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reban. Dans les témoins puissants précédents, nous avons vu que le diable et ses démons travaillent avec des collaborateurs sur Terre. Et quand ces démons-là travaillent avec d'autres démons sur la Terre, ils ont l'habitude de pousser les humains dans les problèmes. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils sont même accompagnés et soutenus par des représentants qui sont sur la Terre. Qui sont les représentants du diable et ses démons sur Terre? Ici, nous allons tout découvrir. C'est un témoignage puissant et c'est le témoignage d'un homme qui va nous expliquer tout sur ses expériences. Cet homme a eu la possibilité de rencontrer le diable d'après son témoignage et il va nous dire des choses assez intéressantes. Et ici, vous serez frustrés. Beaucoup d'hommes seront touchés et vont dire: Ah, mais pourquoi tu dis le nom de mon église? Pourquoi tu dis le nom de telle personne que j'aime? Mes frères et sœurs, c'est son témoignage. C'est sûr que Dieu nous donne son esprit de discernement pour voir la véracité de toutes ces informations. C'est pourquoi nous allons vous demander maintenant de vous joindre à nous de cette prière. Et demandons à Dieu de nous aider. Disons tous ensemble les yeux fermés. Disons tous Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, assiste-nous. Et conduis-nous tout au long de ce témoignage puissant. La connaissance et la sagesse t'appartiennent. S'il te plaît, donne-nous un peu, donne-nous un peu. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit de discernement. Donne-nous la possibilité de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ici de ce témoignage puissant. Et quand nous découvrons la vérité, que notre cœur ne soit pas endurci à l'écoute de cette vérité. Que toi-même tu nous aides à accepter les choses comme elles sont et tu nous donnes la force de nous préparer pour renverser toutes les influences démoniaques et sataniques parmi nous. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous assister tout au long de ce témoin puissant et que toi-même tu veilles à ce que tout se passe bien. Nous te confions chaque abonné. Toute la famille en se bonne, veille sur chacun de nous et que ton nom se lève partout dans le monde. Amen. Mes frères et sœurs, grâce à Dieu, grâce à vous, nous avons atteint les 28 000 abonnés. En plus, nous venons d'avoir 3 millions de vues et ça applaudit. Ça applaudit, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes vraiment suivis. Et suivi par des millions de personnes qui nous regardent. Ça, c'est extraordinaire. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Puisque ça va être chaud, nous allons vous demander d'être très bien concentrés. Et pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Et cliquez sur j'aime. Que vous serez touché par ce témoignage. Et si vous êtes trop touché, réagissez dans les commentaires. Nous tous avons envie de comprendre ce qui se passe ici et découvrir la vérité sur tout ce qui se passe. Les représentants du diable sur la terre ou encore dans le monde sont ici. Écoutons. Après avoir rencontré Lucifer dans notre paroisse locale chez le prêtre catholique, le diable me dit: Je vais me révéler à vous profondément. Et je veux vous emmener visiter mes royaumes afin de vous présenter à mes représentants. Au fait, Wow. Lucifer a un représentant sur la terre qui vit dans le Vatican, qui est le pape. Oh! Mon Dieu! Déjà, c'est nouveau, vous allez vous fâcher. On dit que le diable dit qu'il a son représentant ici, au Vatican, qui est un homme de Dieu. C'est bon, on dit un pasteur, on dit un pape. Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Allez-y plus loin pour en savoir plus. Il a également un représentant dans le premier ciel. Dans le premier ciel, un représentant. Sérieux? Revenez juste un peu en arrière pour bien écouter cette partie-là. Écoutez très bien. Afin de vous présenter à mes représentants. Au fait, Lucifer a un représentant sur la terre qui vit dans le Vatican, qui est le pape. Il a Wow. également un représentant dans le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, le quatrième ciel, le cinquième ciel et le sixième ciel. Il a également un représentant dans le royaume sous-marin. Aujourd'hui, je veux continuer avec témoignage là où je me suis arrêté la dernière fois.
Je parlais de la reine du sud, la reine du midi qui est le souverain du premier ciel. J'ai dit que la principauté qui gouverne le premier ciel était la reine du midi, appelée aussi reine du sud, qui a pour responsabilité d'incarner les démons de l'espace de son royaume et de les envoyer sur la terre. Elle les envoie sur la terre comme de missionnaires de Satan. Des démons qui sont nés sur la terre de façon mystique sont appelés des avatars en termes occultes. Le but de la reine du sud qui dirige le premier ciel est donc d'envoyer des avatars sur la terre. Et ces démons qui sont nés sur la terre physiquement sont responsables de la création de mouvements occultes comme le yoga, le franc-maçon, la rose-croix et autres. Ils sont aussi des hommes d'affaires, des célébrités musicales et cinématographiques. Ils sont des savants, des chimistes et des théologiens. Ça veut dire qu'ils sont partout, dans tous les domaines de la terre. Waouh, mais ça m'étonne. Ici nous avons le pentacle de la reine du sud. Il y a une main qui est tendue vers le ciel et qui lui demande l'aide en matière de procréation. Parce qu'elle est la mère de la fécondité, cette main peut être celle du féticheur ou du charlatan qui fait une invocation vers la reine du midi, et nous voyons un autre main qui est tendue vers le bas qui est la main de la reine du midi qui vient répondre au charlatan ou féticheur qui demandait son intervention pour qu'elle donne à la femme des enfants. Les trois cercles ayant des croix à l'intérieur représentent des ovaires des femmes. Les croix à l'intérieur de ces cercles ou ovaires représentent des bébés qui sont maudits, puisqu'ils sont des démons envoyés sur la terre par la reine du sud pour détruire l'homme. Ces bébés sont des avatars, ou des démons physiques. La deuxième responsabilité de la reine du midi consiste à envoyer et propager la maladie sur la terre. Et ces maladies sur la terre voyagent en espace comme des flèches, précisément à midi et à minuit qui sont des heures de pointe pour les royaumes de ténèbres. Il est écrit dans Psaume 91 verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ce verset biblique parle des maladies et des flèches qui sillonnent la terre à midi et à minuit. Nous parlons de la reine du midi qui lance des maladies sur la terre à midi et à minuit. Elle est aussi invoquée à midi et minuit. Après cette visite au premier ciel, nous avons voyagé au deuxième ciel avec le diable lui-même. Le Xime ciel est un royaume dans le firmament qui est gouverné par la reine du ciel qui a pour mission d'inspirer les hommes sur la terre de créer des fausses religions occultes et apostates. La reine du ciel est une sirène de l'espace qui s'appelle Marie Marguela, ou Marie de Marie Igwe. Au fait, elle a beaucoup de noms puisqu'elle est adorée dans plusieurs pays du monde. Dans la Rome antique, elle était adorée comme Venue. En Éphèse, elle était adorée comme Diane. Les Anglais la haïssent Notre-Dame. D'autres l'adorent comme Ithar et d'autres comme Aphrodite. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le pentacle de la reine du ciel. Si vous prenez le chaînette de sœur catholique et vous les tournez, vous verrez ce pentacle, qui est appelé médaille miraculeuse de la Sainte Vierge Marie. Mais elles ne vous diront jamais ce qu'est la lettre M, et le 12 étoiles autour de la lettre M. Nous constatons qu'il y a 12 étoiles autour de la lettre M. En fait, cette lettre M est l'abréviation de nom Marguela, ou Marie Marguela, qui est le nom de la reine du ciel. Elle est la soi-disant Sainte Vierge Marie. La mère du Christ. Waouh! Vous avez entendu ça? Là, beaucoup de personnes vont se fâcher. Ne te fâche pas, ma soeur, ne te fâche pas, mon frère. Faut écouter seulement, elle découvre la vérité. La reine du ciel Marie Marguela a 12 esprits autour de son trône qui sont représentés ici par 12 étoiles dans ce pentacle. La reine du ciel a pour mission de signer des pactes et des alliances avec des hommes qui veulent commencer des nouvelles cultes ou nouvelles religions sur la terre. Elle a pour but d'amener l'humanité à adorer faux dieux et des idoles par l'entremise de fausses religions et groupes cultes. Ceci est sa mission. Elle envoie les 12 esprits qui entourent son trône en mission sur la terre des temps en temps. La mission de ces 12 esprits qui entourent son trône consiste à donner des révélations aux humains. Je veux dire des fausses révélations mensongères. Ces esprits entrent dans des alliances avec les humains afin que ces derniers puissent les adorer et vénérer sur terre comme Dieu par le moyen de la fausse religion. Ils sont à la base de tout le mouvement spirituel satanique sur la terre. Ils ont beaucoup des églises, des religions et des mouvements spirituels. Lorsque j'ai rencontré la reine du ciel, elle me demanda de trouver une église sur la terre pour prier. Mais pas n'importe quelle église, seulement celle qui les appartient. La reine me dit, vous devriez vous choisir une église ou un mouvement religieux relié à mon royaume. Puis elle dit, mes églises et mes religions peuvent être identifiées par des signes et des symboles que vous devriez connaître. Ça veut dire que des signes et des symboles représentent les églises du diable. Donc ces symboles-là seront montrés ici. Ça veut dire que nous devons tous découvrir quels sont ces symboles. Nous espérons qu'il nous dira exactement quels sont ces symboles. Écoutons bien.
Alors elle me montra des signes et des symboles qui identifient les églises et les mouvements religieux qui lui appartiennent. Bien aimé, il est écrit dans Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'apprenne pas le chemin des nations, et ne sois pas effrayé par les signes des cieux, bien que les nations soient terrifiées par eux. Certains de ces signes et symboles dont la reine du ciel a fait référence peuvent être vus dans les logos et les bannières des églises occultes. Et on nous dit que ces signes-là sont la plupart du temps cachés dans les logos. Waouh, ça c'est vraiment étonnant. Il n'y a pas longtemps, nous avons découvert qu'il y a le chiffre 666 dans certains logos ou encore dans la plupart des logos. Ne manquez pas de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo. Sans doute, nous ferons une partie 2 pour bien expliquer cela. Par exemple, nous avons ce signe ici. C'est le principe qui guide ces fausses églises et religions. Nous avons ici une croix et un S au-dessus de la croix qui est Satan au-dessus de la croix. Cela veut aussi dire Satan l'opposant et adversaire de la croix et du message de la croix. Ça veut dire que si tu vois une croix avec un S au-dessus, il faut savoir que le diable est là. Et nous allons vous dire, les histoires de croix, les anges utilisent la croix même pour chasser les démons là. Ce sont de fausses histoires. Ce sont de fausses histoires. Quittez dans ça. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Ne vous fatiguez même pas avec ce genre de choses. Sinon, vous serez en train d'être un idolâtre à 100%. Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Il n'y a pas un autre mot. Celui-là même prend la croix et il chasse, il positionne devant le démon du genre pour dire « Démon sort bien, il veut délivrer, il veut faire de l'exercice et que le démon part. » Le démon ne part pas parce que c'est Jésus-Christ qui est intervenu. Le démon part tout simplement parce que le démon a vu ce symbole-là. Et ce symbole-là, c'est un symbole occulte. C'est un signe kabbalistique. Faites très attention. Les sectes chrétiennes appellent ce signe l'Esprit Saint, mais c'est faux. La caractéristique principale de fausses églises est la dégradation du nom de Jésus. Nous pouvons le voir avec la secte de témoins de Jéhovah, où le nom Jéhovah est préférable au nom de Jésus. La même chose dans l'Église catholique où Marie est le médiateur qui est élevé et honoré plus que Jésus. Même chose avec le branhamisme et le kimbagusme, c'est leur leader spirituel qui est plus vénéré que Jésus-Christ. Dans ces fausses religions, il y a aussi ce symbole ici, qu'on appelle le clé mystique. Dans de fausses religions, il prétend que si vous ne croyez pas à leur message, c'est la perdition. Car Jésus-Christ lui-même a laissé la clé du royaume à leur leader l'apôtre Pierre. Mais en vrai dire, cela n'est pas le cas. Vous pouvez voir cette clé sur le cercueil du pape. Ceci est symbolique des fausses religions. Ceci est symbolique des fausses religions. Une clé. Et c'est vrai, hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez jamais vu ça? Moi-même, j'ai vu sur Internet. Je ne sais pas si c'est un pasteur ou bien c'est un prophète. Souvent même, ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, ils sont tous en même temps. Et j'ai vu un homme, cet homme-là, lui, il avait du genre un bois. Et ce bois-là nous rappelle le bois que Pharaon utilisait, c'est-à-dire le roi Pharaon de le passé. C'est un bois qui a la tête, genre comme la tête, vous savez, la tête, c'est rond comme ça, comme si c'était la tête d'un serpent. Et cet homme-là, il était vénéré à l'église comme ça. Quand il arrive, tout le monde a applaudi, comme si c'était Dieu lui-même qui était là. Waouh! Ça, ce sont donc des signes des églises de Satan. Ça veut donc dire que un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de croire sur son cou. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de se balader avec des bambous ou des bois. Surtout de ce dernier temps, si quelqu'un le fait, c'est qu'il appartient au diable parce que c'est Jésus-Christ qui domine et c'est son nom qui domine. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Pourquoi allons-nous nous fatiguer avec des bambous et des croix passées par là? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, si vous voulez vous balader avec un truc, prenez la Bible, la parole de Dieu, les Écritures. Moi, pour faire vous dire ça, quand il s'agit des Écritures, les hommes fuient la parole de Dieu. Mais qu'il s'agit de s'accrocher à des bagues magiques ou magnétiques, ils sont les premiers. Si vous voyez des bagues magiques sur les hommes de Dieu, sachez qu'il y a un problème. Il y a plusieurs bagues. Il y a même des bagues où il y a des petites boules vertes juste en haut. Ça peut être rouge,
Souvent même là, vous voyez tête de mort. Que cela vous réveille, mes frères et sœurs. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Le sorcier peut se cacher, le sataniste peut se cacher, le pasteur fou, le représentant du diable peut se cacher, mais il y aura toujours des signes qui vont montrer qu'il est là. Et ces signes-là, ce sont les corps, les 666, les 666 qui font comme ça à la télévision, comme ça. Regardez, hein, vous allez voir un homme de Dieu, il prêche jusqu'à il fait comme ça à un moment donné. J'ai déjà vu ça, un prophète, un soi-disant pasteur prophète. À un moment donné, il fait même comme ça. Et soi-disant parfait, pasteur prophète. Si vous voyez tous ces signes, ne dites pas qu'il est en train de faire du genre rock'n'roll. Ce sont des signes qui viennent du diable. Si on prend même la peine de vous les représenter ici, c'est pour que ça vous vous rappelle. Si vous voyez un homme de Dieu, un pasteur, qui fait ça toujours, qui fait tous ces signes que nous sommes en train de vous montrer, même un œil fermé comme ça, il le fait de façon répétée. Faites attention. Il ne peut se débarrasser de ces signes. Il ne peut se débarrasser de ces signes. Donc, il fera tous ces signes pour montrer que le diable est là. Et quand il le fait, tous ceux qui sont satanistes et qui connaissent ces signes savent que cet homme de Dieu-là, c'est un représentant du diable. C'est un faux. Mais si vous vous ignorez et que vous-même vous commencez à aimer ces signes, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que vous vous préparez déjà à recevoir la marque 666. Et du coup, vous allez commencer à vous identifier à Satan, le diable lui-même. Et ça ne va pas vous plaire parce que c'est mauvais. Faites attention, les écrits du diable sont en train d'être révélés ici. Et nous allons les découvrir au travers des signes. La parole de Dieu nous dit qu'on reconnaîtra l'arrivée de Jésus-Christ au travers de quoi? Au travers des signes, donc le diable aussi se présente au travers des signes. Ces choses peuvent être cachées pour certains, mais ça va se découvrir ici. Abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine des prochaines vidéos. Sans doute, Dieu nous donnera l'inspiration, les idées, tout ce qu'il faut pour vous montrer les images de tout ceci. Vous serez même surpris. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Cliquez sur le sujet si vous êtes même dépassé et soyez prêts. Même si vous êtes fâché parce qu'ils ont dit le nom de votre gars, de votre vrai gars, un du gars que vous aimez. Mes frères et sœurs, priez. Rentrez dans votre chambre, enfermez-vous et demandez à Dieu. Dites seulement, Seigneur Jésus-Christ. Ou si vous ne voulez pas dire le nom de Jésus, il faut dire, oh mon Dieu, le vrai Dieu qui est de l'univers, toi qui as créé les cieux et la terre, dis-moi la vérité, qui est Jésus-Christ, est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Et est-ce que tout ce que nous venons de raconter ici, est-ce que c'est vrai? Parle. Que ton cœur parle, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Dieu va te répondre. Avant que le jour se lève, Dieu va te répondre. Dans ton sommeil, il peut venir me te parler. Mais fais attention, parce que le diable à même t'observe. Tout ce que tu fais, l'observe. Si tu as regardé les témoins puissants précédents, tu sais qu'il y a des démons qui sont en train de nous surveiller. Et ces démons-là vont essayer de venir te blaguer encore. Mais c'est là que tu vas te réveiller et avoir l'esprit de discernement. Et Yassou Bon va te dire, grâce à Dieu, grâce au nom de Jésus-Christ, nous allons y arriver. Ensemble, nous découvrirons ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Parce que tu ne peux pas être dans une église. Et puis, au lieu d'avancer, tu retrouveras, tu vas en arrière. Une église où tu vas. Et là-bas, on autorise les gens à aller en boîte. On interroge les gens à aller au maquis. Tu vas voir que le nom de l'église, il y a un maquis. C'est-à-dire, dès que tu sors de l'église, il y a un maquis qui t'accueille. Et tous ceux qui quittent de l'église, dès qu'ils quittent de l'église, ils vont directement dans ce maquis-là. Pour boire. Moi, j'avais des amis qui faisaient ça. Et quand je leur demandais, mais pourquoi faites-vous comme ça? Vous êtes des chrétiens, non? Moi, à ce moment, je n'étais pas chrétien. Bon, en fait, je n'étais pas à 100%. Mais j'étais bétonné que des vrais chrétiens fassent ça. Et c'est à ce moment, il y a une parmi elles qui a dit, chez nous, on peut tout faire. On peut même coucher même avec les hommes, même si on veut. Hein. On peut aller venir maquiller, juste boire, mais il ne faut pas faire ça enivrer, c'est tout. Sinon, on peut venir au maquis. Or, à l'heure où elle était de parler là, elle était assise sur le pied d'un de mes amis. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Est-ce que vous êtes marié? Non. C'est qui? C'est ton copain. C'est ton petit gars. Ah bon? C'est que chrétien qui est encore de ces histoires de petits gars. Si vous voulez être chrétien, mes frères et sœurs, nous allons vous dire, vous ne serez pas comme les gens du monde. Un chrétien est carrément hors du monde. Et il doit vraiment se démarquer. Parce que c'est Jésus. Dieu est saint.
On nous dit même que Dieu est trois fois saint. Saint est l'éternel Dieu des armées. Vous n'imaginez pas combien de fois nous devons nous purifier, nous sanctifier. Moi-même, ma prière tous les jours, c'est Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lui n'est pas fait, notre boulot qui est là, ça nous amène à ouvrir la bouche. Peut-être même par inconscience ou même par ignorance à la prononcer un mot, ce n'est pas ça, on a péché. Donc ma prière, c'est de dire Seigneur, pardonne-moi. Vous aussi priez pour nous. Que Dieu nous aide, nous donne la force, mes frères et sœurs. Si vous êtes d'accord avec ça, faites ce que nous vous disons. Abonnez-vous et priez surtout pour nous. Parce que dans la fausse religion, les chefs spirituels diront que si vous ne croyez pas à son message, c'est la perdition. Et dans la fausse religion, c'est ce qu'on vous dit. Ils vont venir vous imposer, ils vont vous dire que si vous ne croyez pas à leur message, comme les gens n'ont pas cru au message de Noé, vous serez tous emportés par l'eau, ou bien par le feu, vous serez tous en enfer. Puisque Dieu va plus détruire la terre par l'eau, c'est pas le feu, c'est l'enfer direct pour effrayer les gens. C'est le cas pour le témoin de Jéhovah, le branhamisme, le quimbanguisme, le catholicisme, et la Bible fait référence à cette clé mystique quand Jésus a dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des religions avec le dogme et les idées et les doctrines diaboliques, et quand vous les suivez, la porte du paradis est fermée pour vous. » Indiquez-vous, dès que vous êtes dans cette religion, et que vous êtes à 100% dans la chose, vous êtes dans le problème. Parce que les portes du paradis seront fermées à vous. À cause du seul fait que vous appartenez à une communauté satanique, sans le savoir. C'est pourquoi vous devez vous réveiller. Et puis même les chemins sont même faciles à voir. Tu vois dans une église, tu vois une statue. Ou tu vois dans une église. Et puis tu vois une corne. Une corne comme ça. Toi, ça te dit rien. Comme tu ne veux pas lire la parole de Dieu, là, le diable va bien te blaguer. C'est que tu lis la parole de Dieu, tu es bien renseigné sur toutes ces choses, tu es prudent, tu es prudente. Ma soeur, ne perds pas ton âme pour rien à cause de ces choses inutiles-là. Tu te balades avec des chapelets et tu attrapes les chapelets, là, tu tournes comme ça. Tu tournes comme ça et tu pries sur les chapelets. Tu pries. Quelle est la différence entre ce que tu fais là? Et ce que le féticheur fait. Vous remarquez vous-même, vous allez vous-même remarquer, vous-même vous allez trouver ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre ce que les églises du diable font et ce que les marabouts font. Ou encore ce que les féticheurs font. C'est la même chose. Chez l'occultisme, il y a des bougies. Dans l'église aussi, il y a des bougies. Sans bougies, eux ne peuvent pas prier bizarrement. Chez les occultistes, il y a les statues. Même des statuettes. Dans leur église aussi, il y a des statues. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi y a-t-il une telle similarité? Nous devons nous réveiller. Il y a des choses qui frappent aux yeux. On n'a pas besoin de te dire. On n'a pas besoin de te dire. Il y a beaucoup de personnes qui se révoltent aujourd'hui. Quand nous avons commencé à dévoiler, révéler toutes ces histoires, même certains collègues ont commencé à expliquer ça bien comme il se doit. Les gens ont commencé à remettre à cause des religions. En fait, cette histoire, ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de qui va me sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. Un seul mot. Jésus, seul le Seigneur du Christ peut te sauver. Et c'est ce que nous vous prêchons ici. Seigneur Sribon, nous vous prêchons. Jésus-Christ est mon seul sauveur. Pourquoi Jésus-Christ est mon seul sauveur? Si Jésus-Christ ne m'a pas sauvé, notre bon ne serait pas né. C'est parce que moi-même, j'ai eu une expérience avec Dieu par rapport à la chose. Mais je ne suis pas là pour parler de moi pour le moment. Quand le temps viendra, Dieu permettra lui-même qu'on vous explique nous-mêmes notre propre parcours. Vous serez même surpris. Notre témoignage est gigantesque. Soyez de plus en plus nombreux seulement. Quand le temps sera venu, nous vous dirons tout. Mais tout ceci que vous êtes en train de recevoir ici comme information, que cela vous ouvre les yeux. Tu vas arriver par exemple sur un homme, on dit c'est un prophète. Dès que tu arrives là-bas, il commence à rire. Tu vois une bague dans sa dent. Moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Ce gars-là, on dit c'est un prophète.
Quand il prophétise, il te dit les choses, ça tombe juste. Mais quand il rit là, au mieux, c'est dans, tu vois, une petite vague là-bas. Mais qu'est-ce que ça fout là? Depuis que Dieu a créé un humain avec une bague dans la dent. Mes frères et sœurs, vous devez vous réveiller. Nous devons vous réveiller. Ce sont des signes qu'on voit. Les gens de l'église disent, oh non, c'est parce qu'ils se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés. Faites attention. Faites vraiment attention. Nous espérons que vous allez commencer vous-même à vous réveiller, faire des recherches. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ce symbole ici est une pyramide qui est dans le dollar américain. Et dans le dollar américain, il y a une pyramide qui est là. Et l'œil sur la pyramide montre la classe supérieure de la société humaine. C'est un symbole des Illuminati qui est une branche du franc-maçon. Dans cette secte satanique, ce sont des rituels et le sacrifice humain qui prévaut. Et cet œil est celle des Kankars, la secte occulte. Il s'agit du développement du troisième œil. Il existe quatre créatures vivantes devant Dieu et les sept esprits permettant à Dieu de voir tout le monde. Le troisième œil est au milieu de l'affront. Un jour, j'avais rencontré un démon au nom de Brahma. Il a quatre faces et quatre mains. Il est le démon de la révélation. Cette croix que vous voyez ici est également dans le vêtement de prêtre catholique. Et sur ces vêtements, il y a ces lettres qui sont la lettre I, la lettre H, la lettre S et la lettre O, qui sont l'abréviation des noms des dieux égyptiens, à savoir, le dieu ici, le dieu Horeb et le dieu Seth. À l'intérieur de ce cercle, il est écrit « Vous tous venez à moi ». Qu'est-ce que cela signifie? C'est un appel ou invocation au dieu de l'Égypte ancienne. C'est un signe de la fausse église bien connue dans le pays. Ceci est un triangle avec ses cinq regards qui sont cinq démons qui leur donnent la révélation ou la divination. Et lorsqu'un de leurs ministres est ordonné qu'ils mettront en lui une de ces cinq étoiles qui est un démon de divination ou une fausse révélation, et si vous allez le consulter, il vous révélera votre vie et ce qui est caché, mais ce n'est pas l'Esprit Saint mais la révélation démoniaque, et cette église est ici représentée par un arc-en-ciel avec une étoile qui est signe de la reine des cieux, c'est un pacte, même la religion musulmane a le pentacle d'une étoile et le soleil faisant allusion à la reine du ciel, cette main signe ici est un signe de franc-maçon. Parlons de mon voyage au royaume sous-marin. Invoque qu'il ne parle de son voyage au royaume sous-marin. Revenons un peu sur ces éléments qu'il a dit. Si vous êtes dans une église et vous voyez une femme, ils l'ont bien dessinée sur le mur, et que vous voyez que sur sa tête là, il y a des rayons de soleil, c'est comme s'il y avait le soleil ou bien la cancer. Sachez que c'est la reine du ciel, dans le ciel là. Il y a une reine là-bas. C'est un démon. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. Les gens adorent Marie. Les gens prient Marie. Oh, quand tu leur poses la question, mais pourquoi vous adorez Marie? Vous vous dites, oh non, on ne l'adore pas. Juste, on la vénère. Comme c'est la maman de Jésus, là, on la vénère. Nous tous, on a envie d'adorer la maman de Jésus. Qui n'aime pas sa maman ici? Qui n'aime pas sa maman? Si tu es ta main forcée, tu as mis le moment de Jésus aussi. Nous la considérons parfaitement. Nous sommes d'accord avec le fait que Dieu l'a utilisé. C'était la grâce de Dieu, c'est par elle que tu sois passé pour mettre Jésus-Christ au monde. Mais nulle part dans la parole de Dieu, dans la vraie parole de Dieu, nous demande de l'adorer comme si c'était Dieu lui-même. Comme si nous devons forcément passer par elle. Pour être sauvé ou pour voir Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette histoire? La parole de Dieu nous dit que si tu veux prier et tu veux que ta prière s'exauce, ne ferme pas trop de gymnastique. Il ne faut pas te fatiguer. Tu pries et tu pries au nom de Jésus. Quand tu as prié au nom de Jésus, là, Jésus lui-même va accomplir ce que tu demandes. Toi-même, tu seras étonné. Tu as dit, mais ah! Comment se fait-il que lui, moi je prie, genre moi il m'attend à ce que lui l'a dit à son papa que ça s'accomplisse, mais pourquoi il exauce ma prière? Pourquoi il ne va pas dire d'abord à son papa et puis il laisse ma prière s'exauce comme ça en son nom? C'est tout simplement parce que c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est mort à la croix. En plus de ça,
C'est à lui qui a été donné la responsabilité de tous les humains à cause de son sacrifice qu'il a fait à la croix. C'est un prix à payer, il le mérite. Ce n'est pas une discussion. Toi-même, tu ne serais pas prêt à mourir, mais pour l'humanité, comme lui. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est là que tu dois croire à ce que Dieu t'a dit dans la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu ne vas même pas trop discuter. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a tout du Père en lui. Nous, le Père, forme une seule personne. C'est comme toi, tu as marié une femme et vous formez une seule chair. Si ta femme, si quelqu'un vient à votre maison et que cette personne a besoin d'une réponse, si toi, tu n'es pas là que ta femme est là, la réponse que ta femme va donner là, ça va être la même réponse que toi, tu aurais donné si c'était toi. Donc, c'est comme c'est la même personne. C'est comme ça. Mais nulle part, il a été dit qu'on doit passer par Marie. Dans toutes les histoires de Marie, genre on passe par les femmes pour pouvoir... C'est un truc qui est venu récemment. Les gens ont réfléchi et ils se sont demandé, mais comment nous allons rendre Dieu une femme? Comment nous allons amener dans l'Église le côté féminin pour donner un certain charme à l'Église? C'est à ce moment-là que il y a l'un de ces pasteurs-là ou de ces prêtres qui a tout mis en œuvre pour pouvoir introduire le côté féminin de la chose dans les églises. Aujourd'hui, il y a un truc qui est en train de se passer, monsieur Internet. Les gens parlent de la Shekinah. La Shekinah. C'était même pas. Ils disent que lorsque la Shekinah va descendre, c'est-à-dire certains pasteurs, hein, ils parlent jusqu'à dire lorsque la Shekinah va descendre. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ils font allusion à Dieu, mais un Dieu féminin. Du genre Dieu Jéhovah en mode féminin. Ah! Depuis quand dans la Bible, Élisée, le prophète, il a vu Dieu en femme? Nulle part dans la Bible, il nous a dit que Dieu est une femme. Moi, pour ma connaissance, Dieu, il est tout sauf une femme. Il n'est pas une femme. Mais il a la partie de la femme en lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que même si ta mère t'abandonne, toi, son enfant, Dieu, lui, ne pourra jamais t'abandonner. Ça veut dire que lui, en lui, là, il y a le côté d'une femme, le cœur. Qu'à une femme. C'est pourquoi il a pu créer la femme. Sinon, comment allait-il créer la femme? Comment? S'il ne connaissait pas ce côté sentimental, ce côté... Vous voyez? Il est Dieu. On ne peut l'expliquer ni le comprendre. Peut-être que si on dit un mot supplémentaire, c'est comme si on s'est en train de pécher, Seigneur notre Dieu, pardonne-nous. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu reste Dieu. Et il n'aime pas quand on l'associe à d'autres personnes. Il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Faites attention à ne pas adorer les statues. N'adorez plus tout ce qui est dit saint. Vous adorez les saints. Adorez Dieu sinon Dieu seul. La parole de Dieu même nous dit que nul n'est pas fait sinon Dieu seul. Le Fils de Dieu lui-même dit, ah, mes amis, nous allons vous dire, je vais vous dire la vérité, que nul n'est pas fait sinon Dieu seul. C'est-à-dire que toi qui me regardes, toi mais qui dis que tu es pasteur zélé, tu es pasteur pur, tu es saint, tu fais 70 milliards de jours de jeûne. Nous allons te dire, tu n'es pas saint. Même si tu viens de prier tout ce qui n'est pas saint, tu es Dieu seul qui est saint, qui est parfait. Même dans la pensée, vous n'imaginez pas ce qui se passe là. Ça va être chaud dans les prochaines vidéos. Hein. Abonnez-vous. Là, il nous dit qu'il va maintenant visiter le monde sous-marin. Que va-t-il voir de le monde sous-marin? Le monde sous-marin, là, c'est le monde des sirènes. Écoutons-le. Après avoir visité la reine du ciel Marie Marguella, qui est le souverain qui gouverne le deuxième ciel, Lucifer me transporta sous l'océan Atlantique pour m'y introduire à son représentant qui est la reine de côte de l'océan Atlantique. Puis Lucifer me dit, si tu veux contacter la reine du ciel Marie Marguella,
Tu devrais dessiner son pentacle dans un parchemin, ce alors tu peux la contacter, et tu peux lui demander tout ce que tu veux. Puis Lucifer me dit, puisque tu habites la planète Terre qui est une dimension matérielle et physique, nous devons donc voyager sous la mer pour rendre visite à mon représentant la reine des côtes, dans le royaume sous-marin qui est une civilisation matérielle et physique comme votre monde. Vous devez connaître les réalités du monde matériel, vous devez comprendre que la plupart des articles, des instruments, et des objets que vous utilisez à la surface de la Terre viennent du royaume sous-marin. Nous avons donc commencé notre descente dans le monde qui est sous l'eau. Nous avons entendu ça. On nous dit que la plupart des choses qui se trouvent sur la Terre, comme les make-up surtout, les rouges à lèvres, les faux cheveux, en particulier tout ce qui est faux, ça vient du monde des sous-marins, le monde sous-marin. Même certaines inventions technologiques, on nous dit que ça tire ses sources de là-bas. Faites attention, mes frères et sœurs, à ne pas aimer les choses de ce monde à tel point où, sans ça, vous ne pouvez vivre. Sinon, vous serez accouché à des démons. Du royaume, des instruments et des objets que vous utilisez à la surface de la Terre viennent du royaume sous-marin. Nous avons donc commencé notre descente dans le monde qui est sous l'eau. Nous sommes descendus sous l'eau. Nous sommes donc arrivés dans le royaume sous-marin. Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a des démons dans l'espace. Il y a des démons dans les montagnes. Il y a des démons sous terre. Il y a aussi des démons dans des forêts. Et ils sont aussi dans le monde sous-marin. Les gens perçoivent les esprits marins comme demi-poissons à demi-hommes et femmes. Mais les esprits marins et les créatures sous-marins ont des formes hybrides différentes. Et il existe des différentes créatures sous-marines et des monstres ayant des formes différentes. Lorsque nous sommes arrivés dans la civilisation sous-marin, Lucifer me présenta à la reine de la côte atlantique. Après cette présentation, il dit à la reine de côte, « Je dois m'occuper d'autres affaires alors je vous laisse donc prendre soin du jeune homme. » Mais avant de partir, Lucifer me donna un cordon magique qui était un moyen de communication avec lui. Cet article était en forme de numéro 6 entrelacé que vous devez placer sur votre oreille afin d'établir la communication avec le monde invisible. Et je devrais l'utiliser pour contacter beaucoup d'autres esprits parce que c'était comme un téléphone. Puis Lucifer partit. Il m'a laissé aux mains de la reine de l'océan Atlantique. La reine me demanda, « De quel pays viens-tu ? » J'ai répondu que je viens du Zaire, l'actuelle République démocratique du Congo. Elle me dit, « C'est bien, mais je vais vous donner une mission dans votre pays avant d'entreprendre votre initiation et votre formation. » Puis la reine de côte de l'océan Atlantique me posa une question. Elle me dit, « Elvis, savez-vous que dans votre pays les gens prient beaucoup et tous les jours ? Savez-vous que leurs prières nous dérangent et perturbent nos activités ?» Je ne savais comment répondre à cette question de la reine. J'étais là silencieux. Puis elle me dit, « Elvis, suis-moi. » Je l'ai donc suivi et nous sommes entrés dans un endroit où j'ai vu des réserves des cordes ombilicales de bébés. Et les gens travaillaient pour les transformer en sardines. Et ils les mettaient dans des machines qui les transformaient en sardines. Puis ils les mettaient dans des boîtes de conserve. Alors la reine me dit, « Je vous donne la tâche de vendre ces sardines dans votre pays. Vous devrez les remettre aux fournisseurs à crédit pour qu'ils prennent leur temps de vous rembourser plus tard. » Vous allez vendre ces sardines aux fournisseurs à un prix bas afin qu'ils soient consommés plus facilement et plus rapidement que d'autres marques de sardines. J'ai demandé à la reine, vous avez réussi à transformer les cordons ombilicales de ces bébés en sardines et vous voulez les vendre aux hommes vivants sur Terre. Quel est donc l'effet que ces sardines aura sur les personnes qui vont le consommer? Elle me dit quand les humains achèteront et mangeront ces sardines, ils seront initiés à la sorcellerie inconsciente. Et même si elles vont à l'église, elles auront tendance à commettre les péchés et elles seront charnelles malgré leurs efforts. Ça veut dire que mon frère, même si tu vois, ça veut dire mon frère ou ma soeur, si tu vois, même, si tu remarques bien ta vie, si tu vois que bien que tu sois chrétien, tu continues toujours à te masturber ou encore à chercher des femmes, même à pécher, même à coucher avec des femmes dans ton sommeil, sache qu'il y a un truc qui ne va pas encore dans ta vie. Tu dois analyser ta vie, commencer à bien prier, chercher comment faire pour renverser ça. Sinon, la sirène, ce témoin, la sirène est déjà en train de te faire des choses bizarres. Fais attention. Après cela, nous sommes allés dans un autre endroit où les gens fabriquaient des sardines à partir des organes génitaux des hommes. Après transformation dans leur machine, ces organes génitaux devenaient de sardines. Puis la reine me dit, vous allez prêter aux fournisseurs indigènes et pakistanais ces sardines à un prix moins cher et abordable. Et elles vont les fournir aux vendeurs partout dans le pays à des prix abordables, afin que les gens les mangent et comme conséquence ils seront initiés et ensorcelés. Laissez-moi vous dire que ces sardines étaient si populaires dans le pays. Les gens l'ont tellement aimé, nous les avons vendues à des prix abordables. Puis la reine des côtes me dit, vous entrez dans un monde dynamique, vous allez devoir accomplir beaucoup d'affectations et de missions. Et pour accomplir vos missions et opérations, vous allez devoir vous déguiser et cacher votre identité.
en dehors de votre forme humaine, vous devez être équipé de pouvoirs surnaturels vous permettant de prendre différentes formes à volonté, dépendant des opérations et affectations que nous allons vous donner car vous allez exécuter de nombreuses opérations. Si vous avez juste une forme ou une forme humaine, vous serez facilement détecté et identifié. De ce fait, lorsque vous allez retourner à la surface de la Terre, vous allez tuer un camelon et vous allez prendre sa peau et vous allez la sécher. Puis vous allez le ramener ici avec le parfum Aoucharabia ou le parfum Soudan. Ces deux parfums contiennent des vertus mystiques. Vous devez déterminer l'animal dont vous aimerez prendre la forme, qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un crocodile ou un lion. Quel que soit l'animal que vous voulez, vous allez apporter la peau de cet animal ici. Alors je vous donnerai une prière magique qui vous permettra de prendre la forme que vous voulez. Le royaume sous-marin est un monde de codes, un monde de formules magiques. Quand vous allumez des bougies en forme triangulaire et vous brûlez de l'encens en recitant certains mots, vous verrez qu'il y aura une réaction. C'est ainsi que cette monde magique fonctionne. Puis la reine me dit, le monde dans lequel vous vivez est un monde soumis aux facteurs comme le temps et l'espace. Mais vous devrez vous déplacer dans l'espace et l'hyperespace à grande vitesse pour vos opérations car les voitures, les trains, les avions de la civilisation humaine sont très lents. Donc vous avez besoin de moyens de transport à grande vitesse. Alors la reine me donna un tapis volant de couleur rouge. La reine me dit, vous remarquez que le tapis est rouge. C'est parce que K demande du sang humain pour fonctionner. Vous devrez offrir des sacrifices humains pour activer ce tapis. En fait, il faudra 12 vies humaines pour activer ce tapis volant. Quand j'ai entendu la reine de Côte parler de 12 vies humaines, j'étais silencieux. Puis elle me dit, je vais vous donner une baguette magique. Elle a la forme du lettre P, qui signifie puissance. Avant de voyager, vous devez frapper la baguette magique sur le tapis volant. Et vous allez préciser la destination ou le nom du pays où vous voulez voyager en le citant. Par contre, wow. Que le tapis volant va se déplacer et voyager dans la vitesse de la pensée, une vitesse extraordinaire vers votre destination. Vous pouvez voyager du Zaire vers l'Amérique en 2 ou 3 minutes parce qu'un avion est très lent. Puis la reine de Côte me dit, beaucoup de choses que vous utilisez à la surface de la Terre viennent de d'ici. Nous les concevons dans notre royaume dans différentes industries de fabrication et conception. Puis elle m'amena dans une grande salle. Lorsque nous sommes entrés dans cette salle, j'étais ébloui car j'ai vu toutes sortes de personnalités. La reine m'y informa que ces gens étaient des plus grands modélistes, stylistes et créateurs du monde. Ils sont les concepteurs et créateurs de la plupart des vêtements que les gens portent à la surface de la Terre. Si vous voulez devenir tailleur et concevoir des vêtements de mode qui seront populaires à la surface de la Terre, vous aurez besoin de venir ici comme tout le monde. Les personnes que vous voyez ici sont celles qui conçoivent les modèles que vous portez à la surface car la mode et les modèles sont originaires d'ici. En fait, je me souviens dans la Bible il est écrit que Dieu est contre la tendance étrangère. Ici la Bible ne se réfère pas à un pays étranger mais il se réfère à des choses ayant une origine non terrestre. Il se réfère au monde non physique et au monde invisible. Le monde physique a ses propres voies et sa culture. Le monde du diable a aussi sa culture et ses tendances. Et la Bible est contre la culture, les manières et les tendances du monde invisible. Mais malheureusement ce sont leurs agents qui fabriquent et créent des articles que nous utilisons à la surface de la Terre. Alors la reine de Côte m'amena visiter des industries de fabrication et conception dans ce royaume sous-marine. J'ai vu des machines qui fabriquent des savons et des lotions. J'ai vu des industries de production et conception des produits de maquillage, des produits de beauté de toutes sortes. Il y avait des savants, des chimistes, des alchimistes et des métaphysiciens. Ils ont la capacité de capturer un homme africain et le transformer à un Européen ou à un Chinois, et le renvoyer à la surface de la Terre avec un autre identité, et personne ne le saura. Ils peuvent prendre un occidental et le transformer en indien en lui donnant une nouvelle identité. Dans cette civilisation sous-marine, nous avons visité l'industrie pharmaceutique qui fabrique des médicaments et des produits pharmaceutiques. J'ai vu de nombreux savants, j'ai vu les élites scientifiques de la Terre qui visitent ce monde sous l'océan. Il y avait des médecins et des chimistes. Lorsque nous avons fini de visiter des industries de production pharmaceutique, j'ai vu des industries de développement d'armement. J'ai vu des scientifiques, des savants et des démons travaillant pour la conception de systèmes d'armement sophistiqués et avancés. J'ai vu beaucoup de différents types de bombes en développement. J'ai vu beaucoup de dessins de nouveaux modèles des armes et des bombes en cours de développement. J'ai les bombes et les armes à destruction massive en cours de développement. Il est écrit dans le livre de Jacques 3 verset 15, « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, non spirituelle, mais démoniaque. » Beaucoup d'instruments technologiques et d'objets que nous utilisons à la surface de la Terre n'estent pas la sagesse de ce monde. C'est une sagesse démoniaque et intelligente. C'est parce que c'est fait pour détruire.
Il y a des scientifiques et des savants qui sont dans des pactes et des alliances avec la civilisation sous-marine et démoniaque. Ils collaborent avec des démons hybrides sous l'eau, et ils nous apportent des nouvelles technologies et des instruments technologiques que nous apprécions sur la Terre. Alors la reine de côte me dit, puisque tu es venu nous rendre visite dans notre monde, vous allez devenir grand sur la Terre. Vous serez remarqué sur la Terre. Je vous donne la carte du monde et un boule de cristal. Aucun esprit ne vous dérangera. Elle m'a aussi donné une chaîne de défense que je devais porter sur mon cou. Elle me dit, quand vous portez cette chaîne sur votre cou, pendant que vous voyagez dans l'hyperespace et le domaine astral pour des chasses nocturnes, tous les esprits sauront que vous êtes intouchables. Ils sauront que vous êtes mandaté par Lucifer lui-même. Waouh! À cause de cette chaîne-là, juste à cause de cette chaîne. Est-ce que nous vous disons précédemment, les gens qui chassent les mauvais esprits, qui font des exorcismes au travers des quoi là? C'est exactement, exactement ça. Les esprits sauront que vous êtes intouchables. Ils sauront que vous êtes mandaté par Lucifer lui-même. Personne n'osera vous embêter. Et vous ne serez pas attaqué. À cause de cette chaîne seulement que vous avez sur le cou. Car dans le domaine astral et dans le monde des esprits, il y a toujours des tests de puissance et pouvoir. Lorsque vous rencontrez un sataniste ou un sorcier main démon, ils ont tendance à essayer de vous tester et même vous attaquer. Puis la reine de côte me dit, Elvie. Maintenant que vous connaissez ce que vous êtes supposé connaître, il est temps pour vous retourner à la surface de la terre dans votre pays. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à venir au bord du fleuve. Et vous allez reciter cette prière d'invocation, comme résultat mes serviteurs vont apparaître et vous allez soumettre vos préoccupations, vous pouvez leur donner une lettre et elles vont me les donner. Les serviteurs dont la règne de l'océan Atlantique faisait référence sont des sirènes des eaux, les grandes dames de la mer. Puis la règne me dit, normalement pour me voir c'est pas facile, il y a beaucoup de protocoles et des abstinences à faire. Si vous n'êtes pas passé par les protocoles et les conditions c'est parce que celui qui vous a emmené ici est notre leader Lucifer. Qui est notre plus grand leader? Normalement, ceux qui viennent me voir passent par mes serviteurs les sirènes, puisque mes serviteurs les sirènes viennent régulièrement dans votre monde. Wow. Mais moi, je n'ai pas le temps de venir dans votre monde à la surface. Mais on va te dire ça, on nous dit que les sirènes viennent régulièrement ici dans notre monde. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher ici? Que viennent-elles chercher ici? Nous allons vous dire, quand elles viennent de ce monde-là, elles vont fréquenter les bars, les boîtes de nuit, les maquis. Les lieux fréquentés par la masse, par beaucoup d'hommes. Et elles observent. Et elles ne viennent pas pour rigoler. Elles viennent en guerre. Elles viennent pour faire la guerre aux humains. Mais ça l'est simple. Ce que elles chercheront à faire, c'est de coucher avec les rapports sociaux avec les humains. Parce qu'elles aiment beaucoup ça. Parce qu'elles veulent recueillir le sperme des gens. Et de le sperme à la vie. Pour pouvoir tout simplement utiliser ces spermes-là, qui sont contenus dans les spermes des gens, pour pouvoir les faire, pour pouvoir faire des enfants, des créatures de leur monde. Faites attention. Car je gouverne toute une civilisation ici sous l'océan Atlantique. Elle dit qu'elle ne peut pas venir sur la Terre parce qu'elle gouverne là-bas leur monde. Mais quand vous aurez besoin de finances, des voitures, des maisons, vous n'avez qu'à me contacter, puisque nous contrôlons toutes ces choses ici, le monde matériel à la surface est contrôlé ici sous l'océan. Elle nous dit que tout ce qui se passe sur la Terre ici, toutes les lois qui sont votées, toutes les nouvelles voitures qui arrivent à la mode, tous les nouveaux styles vestimentaires, tout ça, eux, ils contrôlent tout. C'est-à-dire que le diable a le contrôle total du monde. C'est pourquoi Dieu lui-même nous a dit, n'aimez point le monde ni les choses de ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pas un hasard, mes frères et sœurs. C'est tout ce fait hasard. C'est pas de la blague. Écoutez-vous-même. Dans toutes ces choses ici, le monde matériel à la surface est contrôlé ici sous l'océan. Alors la reine me dit, maintenant il est temps pour vous de retourner sur la terre pour accomplir la tâche que je vous ai donnée. Pour l'instant, votre mission consiste à vendre ces sardines dans votre pays. Une fois que ce fini, vous allez m'écrire une lettre avec votre sang dans le parchemin, et vous allez préciser le nombre de boîtes de sardines que vous avez besoin, et vous allez juste jeter la lettre dans le fleuve. Cela va m'atteindre, par conséquent je vais envoyer un bateau, qui viendra décharger les cartons contenant les sardines que vous avez demandées, précisément là où vous avez jeté la lettre, mais vous ne devrez pas manger ce sardine, car il est destiné aux hommes ordinaires afin de les initier à la sorcellerie inconscient, vous n'êtes qu'un fournisseur. Après ceci la reine de côte me ramena sur la terre, je suis atterri dans l'enceinte de la paroisse là où Lucifer m'avait pris, le prêtre était absent, quand il est revenu il me salua et me demanda. Comment vous avez trouvé le monde invisible?
Je lui ai répondu que j'étais impressionné par tous ces nouveaux mondes que je vis, et je suis empli d'émotions. Le prêtre me dit, « Maintenant les choses sérieuses ont commencé, vous devez respecter les règles et les commandements sinon vous allez mettre votre vie en danger. Vous savez que je vous aime et je ne veux pas que vous soyez en danger. » J'ai dit au prêtre, « Une chose qui me dérange est que la reine de côte me demande de sacrifier 12 vies humaines pour activer le tapis volant. » Le prêtre me dit, « Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Les gens sacrifient même plus que cela. » Même dans l'église, nous pratiquons le sacrifice humain mais les gens ne se rendent pas compte. De fois quand quelqu'un est malade les gens viennent à l'église pour nous demander de prier pour leurs frères ou sœurs. Nous avons un eucharistie spécial que nous appelons la dernière communion. Et nous avons une huile que nous utilisons pour oindre le malade. Une fois que le malade consomme cette eucharistie qui est la dernière communion, et après s'avoir été oint, il mourra après quelques jours. Le prêtre me dit cette eucharistie est le biscuit de la mort. Et l'huile est appelée l'huile stimulant de la mort. En fait, à l'intérieur de l'Eucharistie il y a la lettre I, la lettre H et la lettre S. Ces abréviations veulent dire, la divinité Isi, la divinité Horeb, et le dieu Seth. L'Eucharistie a la forme ronde pour représenter le démon Osiris. Alors quelques jours plus tard, une famille dans le quartier vint chercher le prêtre car leur papa était souffrant. Le prêtre me dit, Elvi, je vais oindre cet homme qui est malade avec l'huile stimulant de la mort. Et je veux lui donner la dernière communion qui est le biscuit de la mort. Et une fois que ceci est fait, nous n'allons pas tarder là-bas. Nous allons rentrer dans le paroisse, mais tu ne dois jamais regarder derrière une fois que nous avons quitté la parcelle du malade, de peur que l'esprit de la personne puisse te suivre après sa mort. Je t'avertis si tu regardes derrière il va te suivre car il mourra après la rituelle. Lorsque nous sommes arrivés dans cette famille qui a invité le prêtre, dès que celui-ci a donné à cet homme malade l'Eucharistie, j'ai remarqué une réaction bizarre de la part du pauvre homme malade. C'était le déclenchement du processus de la mort. Quelques minutes après que nous ayons quitté cette famille, on nous appelle pour nous informer de la mort de leur prêtre. J'ai dit que le représentante de Lucifer sur la terre est dans le Vatican. C'est le pape. Le royaume de Lucifer est avancé et organisé. Dans tous les pays de la terre, le diable a assigné des représentants qui sont des ambassadeurs et des principautés. Ces représentants sont délégués partout dans le monde dans tous les pays afin de gouverner, et de contrôler tous les pays et de rendre compte à Lucifer. Ils savent ce qui se passe dans tous les pays et ils connaissent des gens vivants dans ces pays. Ils savent qui ont quitté le pays et qui sont les gens qui ont entré le territoire ou pays qu'ils gouvernent. Permettez-moi de mentionner certains d'entre eux. Lorsque les sorcières ou les occultistes de l'étranger veulent vous attaquer, ils contacteront les principautés ou l'ambassadeur qui gouverne votre pays, parce qu'il a tous les données sur vous. Et tous ceux qui vivent dans le pays, la population de chaque pays du monde est influencée par le principauté qui est l'ambassadeur de Satan qui gouverne ce pays. L'ambassadeur infernal ou le principauté qui gouverne le Congo est appelé Zena, celui qui rapporte et donne de compte à Lucifer concernant tout ce qui se passe dans notre pays. Quand Mobutu est venu au pouvoir, il a changé le nom du pays du Congo au Zaire, qui est le nom du principauté sous le fleuve Congo qui contrôle le pays et qui est l'ambassadeur infernal du royaume des ténèbres. L'ambassadeur du diable en Égypte s'appelle Apé. Le Royaume-Uni est gouverné par la principauté appelée Mammon qui est le ministre de finances du royaume infernal. Il est écrit dans la Bible. Nul ne peut servir deux maîtres car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'ambassadeur de Satan en Italie s'appelle Belial. La France est gouvernée par le principauté au nom de Belphégor. Cet esprit contrôlait tous les groupes Q en France et donne rapport au royaume de Lucifer. L'Inde est gouvernée par Asura, en Russie sur un mont qui gouverne. L'Espagne s'est contrôlée par le démon Tammuz. La Belgique est gouvernée par Abrimash. L'Allemagne est gouvernée par Anneberg, qui est un démon très colorique. La Suisse est gouvernée par Martine. Le continent américain est gouverné par Anya. Elle apparaît tout le temps et les gens la voient. Irak ou Babylone est gouverné par Lilith. Nous avons entendu ça, et tout ce qui vient d'être cité ici, là, ce sont tout simplement les représentants du diable. Le saviez-vous? Le saviez-vous, mes frères et sœurs? Je suis même choqué. Je suis même surpris. Je suis même plus étonné qu'étonné. Vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour la TV et cliquez sur j'aime. En cliquant sur Yanskebonne, vous avez accès à la page d'accueil, vous allez voir Yanskebonne 2, Yanskebonne 3. Si vous n'êtes pas abonné là-bas, abonnez-vous et regardez les dernières vidéos qui ont été faites. Vous serez même surpris aussi.
et préparez-vous pour deux vidéos qui vont venir. Aujourd'hui, il y a eu un bug de notification, c'est pourquoi vous n'avez pas reçu les notifications. Si la vidéo précédente, nous vous invitons à la regarder. Il y a eu des vidéos qui nous a marqué ce matin, et c'est cette vidéo où on a vu une fille qui était vraiment protégée par Dieu, et on a vu juste à côté d'elle un lion qui rôdait, et ce lion-là a fini par la dévorer parce qu'elle avait péché. Et ça, c'est incroyable. Cette vidéo appartient soit ici ou de l'autre côté. Ne manquez pas de cliquer sur cette vidéo pour regarder ce qui s'est réellement passé et vous serez vraiment surpris. Ce que vous devez découvrir ou encore savoir pour terminer, c'est que malgré tous ces représentants qui sont dans le monde, vous, si vous êtes un vrai chrétien, vous les dominez tous à cause du nom de Jésus-Christ qui est en vous. C'est une puissance pour vous. C'est une puissance hors du commun, je vous parle de quelque chose. Mes frères et sœurs, vous devez croire. Vous devez croire. Nous avons parlé de quoi ici? Nous avons parlé des églises. Les églises du diable. Et on a dit que les églises du diable, ils ont des signes. Et ces signes sont en général des croix, des symboles, même des statues, des chapelets. Ce n'est pas de la blague. Est-ce que vous avez déjà vu cela quelque part? Si vous avez déjà vu tout ça quelque part, laissez un petit commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est juste de la blague? Que Dieu nous aide à comprendre clairement ce qui se passe clairement ici. Et ne manquez pas la prochaine vidéo si elle sera bonne. Nous découvrons encore plus de choses qui vont nous aider. Préparez-vous, ça va être chaud.